Vous allez faire de moi un monstre. Tout est entre les mains de Dieu. Hein. Ce qu'on fait, c'est pas très bien conseillé hein, pour la santé. Et ça peut être dangereux, ça, ou pas, de se faire endormir. C'est bien de dormir. Tu te réveilles, c'est de bonne humeur. Oh, tu peux éteindre mon caméraman aussi. À la fin de la vidéo, on éteint le caméraman, c'est bon. Les gars, Im Tarzan va se faire endormir en direct. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai regardé le film Tarzan. Et pourquoi aujourd'hui, c'est Im Tarzan. Là, il y a une histoire. 3, 4, 5. Oui. Et on l'achève. Youssef, mon frère, un plaisir de te revoir. Merci de me recevoir. Toujours un plaisir. Ouais. La dernière vidéo, ils ont kiffé. Et là, celle-ci, elle est aussi encore plus spéciale, j'ai envie de dire. Parce que tu prépares ton premier combat de MMA. Maître, viens marcher à côté de nous, Asahbé. Salut le maître. Ça va? Tu vas bien? Impeccable. Je te laisse te présenter. Martinez. Nicolas Martinez, ceinture noire 3ème degré de Jiu-Jitsu. Voilà, j'ai fait la connaissance de Youssef pour tout ce qui est phase grappling au sol, tout ça. Magnifique. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Ceinture noire 3ème dan, ça t'a pris combien de temps pour acquérir ce niveau-là et ces ceintures-là? J'ai 22 ans de pratique et j'ai 11 ans de ceinture noire. C'est impressionnant. Moi, du coup, ce que je me dis, c'est que Youssef, t'es entre de bonnes mains niveau grappling, si ça va au sol. Ouais, on a une équipe structurée. Là, j'essaye de déménager à Paris, comme ça je serai bien, tu vois, dans une bonne zone pour bien m'entraîner. Et tu prépares un combat? Tu me dis en boxe thaï, même? Bah, j'aimerais bien venir en Thaïlande préparer un combat de boxe thaï, ouais. T'en penses quoi, toi? Faudrait venir quand? Ce serait quoi la période? La meilleure période, c'est celle que tu as décidé de venir. Si maintenant tu as décidé de venir maintenant, c'est la bonne période. Et Youssef, tu te sens comment là avant ton premier combat de MMA? Je me sens comme un petit garçon qui fait ses premières armes, tu vois, qui apprend à marcher et qui court. Quand je visualise, moi je vois un KO de ta part avec un coup de coude, round numéro 2. J'espère en tout cas. De toute façon, on va être là et peut-être que je me trompe, hein, mais je me suis dit, Youssef, sa stratégie, ça devrait être debout. Il est niveau expert, niveau légende. Le gars, il pourra pas y aller avec lui debout. Donc, c'est juste empêcher les takedowns et le tuer debout. Personne n'est intouchable, hein, sur terre. Ceux qui te disent qu'ils sont intouchables, c'est des menteurs. Moi, j'arrive avec mon bagage de boxe thaïlandaise, mon expérience. Et aussi avec les options de l'MMA, du combat libre. Donc les options du combat libre, ça inclut les amener au sol, les défenses, ou les amener au sol, où je vais moi-même peut-être aller au sol. Je m'entraîne intensément. Là, on a fait une préparation, là, presque déjà 6 semaines, là, 2 fois par jour. Donc tout ce qui est lutte et grappling. Et je me suis entraîné avec des mecs qui étaient quand même pendant numéro 1 mondial, des anciens médailles olympiques. J'ai été en lutte, en jiu-jitsu aussi, j'étais avec le maître Martinez qui est à côté de moi. Mon petit frère qui est là, qui est devenu un solide lutteur. Et je lutte avec tous les poids, c'est-à-dire que je lutte pas avec des mecs que de ma catégorie, tu vois. Donc ça se passe super bien, c'est un plaisir, tu vois. C'est comme si tu m'as rajouté de nouvelles touches à la manette, tu vois, de nouvelles options. Ouais, ouais. Tu vois, c'est amusant, t'es passionné. Ça bien. Et maître, toi, t'en penses quoi du coup du niveau au sol de Youssef? Est-ce que tu vois une belle amélioration depuis le départ? Est-ce qu'on est à l'abri qu'il nous lâche une soumission incroyable? Est-ce que ça peut arriver? Totalement possible, hein. C'est pas une personne lambda. Par exemple, il y a une technique qu'il faut 6 mois à une personne lambda pour l'acquérir, avec Youssef, c'était impressionnant, quoi. En quelques jours, même pas, c'était déjà acquis, quoi. Il y a des drills, des rotations de drills. Normalement, il faut des mois, des semaines d'entraînement. En 20 minutes, il y arrivait. Même moi, j'étais étonné, quoi. Les guillotines, pareil, les triangles. On a bossé sur le triangle. Il savait le verrouiller, l'armer en le premier jour. C'est impressionnant. Si vous lui laissez la tête, il va vous prendre la guillotine directe. Si l'adversaire commet une erreur, en donnant la tête ou quoi que ce soit, bah Youssef, il est capable d'aller la saisir et de soumettre. Et par contre, le contraire. Si vous prenez Youssef en guillotine, il saura défendre et sortir, ou vous faire valser. Non, je me suis entraîné pour pas que je m'humilie le jour. C'est une passion, c'est un hobby. Ça va pas être comme la boxe thaï. Je vais pas en faire 200, tu vois. Quelques combats, tu vois. Pour l'instant, je suis débutant et je suis fier d'être à mes débuts dans ce domaine et d'avoir une ceinture blanche et d'être sous les ailes du maître Martinez. Moi, c'est incroyable de t'entendre dire je suis débutant, tu vois, fièrement. C'est la vérité. Il a même voulu mettre le kimono, c'est même pas moi qui l'ai forcé, c'est lui qui a voulu mettre le kimono. C'est quoi là qui te fait kiffer dans le MMA? Le combat libre. Aussi simple que ça. Ouais. Le fait d'avoir plein d'options. Ouais, t'arrives avec la boxe thaï, avec des options de MMA. C'est une amenée au sol, pas de problème. Ça continue. C'est un contre la cage contrôle, pas de problème. C'est un grand pan, pas de problème. Sur une solution, il y a plus de solutions, ça s'arrête jamais pendant 5 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous promettre là pour ce fight-là là, qui arrive le 27? Tout est entre les mains de Dieu. Hein. Tu sais, déjà ce qu'on fait, c'est pas très bien conseillé hein, pour la santé. Ce que je peux promettre, c'est de me surpasser, de faire de mon mieux. Je peux mettre beaucoup de mots avant l'événement. Quand t'as 1 ou 2 ou 3 ou 4 combats, t'es incapable de mettre vraiment une expertise sur ce que tu dis. Ouais.
Mis à part si t'es un menteur ou t'es un prétentieux ou un vantard. Moi j'ai toujours 3 game plans. Quand moi je boxe, en boxage j'en fais toujours 3. Donc sur potentiellement ce qu'il pourrait me faire, potentiellement ce que je pourrais recevoir comme contre, et potentiellement ce que je pourrais lui faire. Qu'est-ce que là tu sais sur ton adversaire? Est-ce que c'est un gars type lutteur? C'est un gars type... Il est comment le gars? Pas beaucoup d'informations sur lui. Hein. Je sais qu'il a les oreilles un peu de travers, tu vois. Que, bon, aujourd'hui, même quelqu'un qui a fait pendant 6 mois, qui a les oreilles un peu fragiles, peut les avoir. La bif est pas le moins, le maître. Très agressif en début de combat, il frappe en ligne. Donc Youssef est prévenu, il n'y a pas de problème. On verra s'il restera agressif un quart d'heure. Ouais, ouais. Ça va être sur 3 rondes du coup. 5 minutes. Ouais, 3 rondes de 5 minutes, magnifique. Ouais, je suis hype, les gars, j'étais déjà hype, mais là... Puis après, on attend le combat de Tarzan, en boxe style. Ouais, en boxe style. T'entraînes 4-5 semaines, tu fais ton combat. 4-5 semaines, je le fais. 4-5 semaines, avec moi, hein. En boxe style, si je suis avec toi, je donne 20-30 minutes tous les jours, et le reste, tu le fais tout seul, tu fais 3-4 heures par jour. Tu te fais un entraînement le matin, un entraînement le soir. Ouais. Toi, tu pourrais être là aussi. Ouais. Pour le sol, si tu veux. Lui, l'expert en graphie, il y en a même un. Ouais, je suis là. Ouais, chaud. Vous allez faire de moi un monstre. Non, tu sais ce que je me suis dit, Youssef. C'est dans ton cœur qu'il y a un monstre. Tu vois. Non, on fait rien du tout. C'est toi qui fais ça. C'est dans chaque individu qui a la flamme. Il y en a, ils l'auront jamais. Il y en a, ils l'ont pas eu, mais ils vont l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Jamais du tout, ça s'en plaît. Je doute pas, frère. Ouais. Je me dis dans des conditions comme ça. Mais c'est incroyable que tu me le proposes, frère. Moi, je me dis, dans une condition comme ça, les gars, en Thaïlande, focus, en mode guerrier... Je te conseille même pas de filmer. Tu fais ça, tu feras ton kiff humainement, ton développement personnel, ton introspection, et tu montes. Tu vois, c'est un travail différent. Ça, c'est un grand plaisir, je te l'offre. T'es un bel âme, une bonne personne. Ça fait plaisir, mon frère. C'est partagé, frère. Voilà. Ça fait plaisir. Mais en retour, j'aimerais bien que tu m'invites en Bosnie. Avec plaisir. Tu m'auras des adresses pour que j'aille visiter. J'aimerais bien visiter l'Europe de l'Est. Là, je suis en train de lire un livre, Youssef. La Sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Incroyable. Après, je suis que au début, tu vois, mais... Alors que de base, je suis pas un gars qui lisait, tu vois. Faut lire, c'est bien. Faut lire. Parce que même quand t'apprends à lire, t'apprends à structurer tes pensées aussi. C'est enrichissant pour l'esprit, c'est enrichissant pour ton entourage. Et ça te permet même, quand tu lis beaucoup, ça te permet d'avoir une conversation plus agréable avec les gens. T'es éduqué déjà tout seul à te poser et à lire. Donc, tu lis les autres aussi, t'es là, t'écoutes, tu regardes. T'as vu là, dans notre génération, tu vois, ça sweep, t'as plein de vidéos qui se passent. Enfin, je sais pas, en 10 minutes, tu vois trop d'informations. Après, t'as du mal à te poser et à lire, tu vois. Toi, est-ce que t'es tombé dans ça aussi? Est-ce que tu passes du temps à scroller, à regarder ce qui se fait? Ou pas trop? Tu regardes mon Instagram, ce qu'il y a dedans. Des animaux, des... Du combat. Ouais. Ouais, les animaux, ouais. Ouais, j'aime beaucoup les animaux. Comportement animal. Tu sais que les pingouins, quand ils sont en équipe, ils se saluent. Hein. Dans une équipe de 10 là-bas, ils se checkent et tout. Ils font la file, ils se disent salut. Le jiu-jitsu, c'est un sport qui est en constante évolution. C'est-à-dire que c'est pas un sport qui est figé. C'est des techniques il y a 10 ans qui n'existaient pas, qui évoluent. Aujourd'hui, on va regarder, il y a les championnats d'Europe qui ont lieu à Paris en plus actuellement. Il va y avoir des nouvelles techniques qui vont sortir, inédites, des trucs qu'on n'a jamais vus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la main derrière, des trucs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est, en fait, c'est en constante évolution. Et l'année d'après, bah, les nouvelles techniques qui sont sorties, ça ne marchera plus parce que quelqu'un aura trouvé les contres, on les aura travaillées à la salle. C'est ça qui fait que c'est passionnant parce que ça évolue tout le temps, ça avance tout le temps, ça bouge tout le temps. Avant, pour voir l'UFC, il fallait aller au vidéoclub, louer la cassette. Ah ouais, ouais, ouais. Il n'y avait même pas de DVD. Le DVD n'existait pas. Quoi. Moi, je me souviens de ça. Hein. On allait avec mon père, on louait en Bosnie, ça s'appelait Vidéo Club. Tu louais des cassettes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai regardé le film Tarzan et pourquoi aujourd'hui c'est une Tarzan. Là, il y a une histoire. Ouais. Maître, ça t'est déjà arrivé de réussir à soumettre Youssef ou pas? Bien sûr. La logique veut que oui, bien sûr. Et le problème avec Youssef, c'est comme au début, comme c'est nouveau pour lui, il voulait voir ses propres limites. Okay. C'est-à-dire qu'il voulait savoir jusqu'où il pouvait résister, que ce soit sur une guillotine, triangle, clé de bras, clé de jambe. Et ça pouvait être dangereux, donc il faut dire les choses. Je mettais volontairement. Voilà. On commençait directement de dos en étranglement. Directement, je commençais là. Et du coup, là, il comprend très bien là. Sur la main. Tirer là, tu vois. Et ça peut être dangereux ça ou pas de se faire endormir? C'est bien de dormir, tu te réveilles, c'est de bonne humeur. J'étais quand même bienveillant sur des clés de cheveux. Non mais à la fin je voulais, tu m'as quand même, tu m'as niqué. Mais au début ouais t'étais un peu... Mais je suis parfois revenu dur. Est-ce que c'est dangereux de se faire endormir en jiu-jitsu? Des fois c'est impressionnant, tu vois, on voit des gars ils ont les yeux ouverts. C'est dangereux, oui, si tu relâches pas ta prise après que la personne ait perdu conscience. Donc, ok, mais si tu relâches direct... Si tu relâches direct, on va dire la personne reprend conscience en 2-3 secondes, donc ça va, c'est pas dangereux. Ok, donc dès que tu dors,
En général, sur un étranglement, tu as encore le temps de taper ou tu es plus ou moins en conscience. Le plus dangereux, c'est les clés, les e-looks, les clés de talon. Est-ce que là, dans cette vidéo, toi ou Youssef, vous pouvez m'endormir? Je me suis jamais fait endormir sur une soumission. Je vais te proposer quelque chose qui ne sera pas dangereux. Ah ouais, là, j'ai direct la pression. Non, là. On fera le test, t'inquiète. Les gars, Im Tarzan va se faire endormir en direct. Du coup, maître, c'est fait exprès que Youssef fait tourner avec des gens plus lourds que lui. C'est un choix stratégique. Ouais, en fait, là, on a de la chance. Chacun vient nous aider, nous donner, partager ses connaissances. Donc là, on a Karim qui est ceinture noire 3e degré et il apporte son, on va dire, sa pierre à l'édifice pour aider Youssef. Donc là, moi, j'essaie de coacher Youssef, pas tout le temps, mais juste dans des moments spécifiques où il a besoin. Et si vraiment il y a des petites erreurs ou quoi, le rectifier tout de suite ou lui dire de faire attention. Parce qu'on a une vue de l'extérieur que des fois le combattant n'a pas. Ça, le sit-bet avec les bras, Youssef. Là, ça arrive, on peut crocher. T'as pas besoin de mettre l'autre, tu pars. Tu pars, vas-y. Lève le genou, voilà, il passe tout seul. Allez Youssef, c'est bien, recompose, super. Regarde toujours de face. Toujours de face. Mets du poids sur lui. Voilà. Voilà, stabilise. Crochet du jambe droite. Voilà, tu serres. Connecte ta tête sur sa tête. Sur le côté. En fait, on ne se rend pas compte, mais Youssef est très 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 gainé, très très dur au niveau de ses os. Donc c'est pas évident. Ouais, il va. Normalement, il devrait faire mal. Ouais. Tu penses que c'est génétique, sa puissance des os? Je pense, sa souveraineté. Je pense, et puis toute sa vie en boxe thaï, ouais. Ça fait que l'endurcir. Oui, gauche, droite. Oui, encore. Hop, droite. Chute, middle. Oui, relax. Relax, gauche. Champion, tu lèves juste la jambe. Au niveau de ton coude. Voilà, au niveau de ton coude. Voilà. Oh putain, là. Gauche-droite, hop, droite, voilà, oui, vidage, oui, il ne nous pas, en tout monde, dans ta tête, ici, il n'y a que le bras qui passe, tu reviens en garde, tout le temps, reste, vidage, chut, oui, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre, ok, hop, protège-toi, hop, genou, attrape-moi la tête, non, avec un bras, t'es là, tu vas mettre ici, si c'est genou droit, c'est la main droite, si c'est genou gauche, c'est la jambe gauche qui sert. Fais pas tes gants, t'as du sang. Fais doucement. Hop. Donc je suis là, regarde. Hop. Essaye de reculer. Voilà. Ça peut même le prendre. Ouais. Donc je suis là. Gauche. Le droit. Et on va bien. Mets ta garde. Ouais, l'autre jambe. L'autre jambe. L'autre jambe. Ouais. Mets bien tes positions de jambe. Si t'es là, tu peux rien faire là. Là, tu peux tout faire. Allez, gauche, droite. Et deux. Un, et deux, droit, sur genou, hop, oui, coup de coude, hop, oui, avance, hop, oui, quand tu mets un coup de coude, tu casses ton poignet. En fait, un bon coup de coude, c'est tu casses ton poignet et tu tournes avec la hanche, tu casses bien ton poignet. Et après, il y a un mouvement, c'est tu vas avancer vers l'adversaire et tu vas taper. Voilà. Vas-y, gauche, coup de coude, hop, avance, avance, gauche, coup de coude. Hop, hop, voilà. Avance. Hop, hop, oui, genou. Ouais, droite. Hop, ouais, droite. Hop, gauche, droite. Hop, hop, 4. Hop, droite. Hop, genou, middle. Hop, middle, pardon. Hop, genou. Genou, hop, oui, la garde. La garde, hop, genou, encore. Hop, ouais, droite. Hop, middle. Hop, oui, relax. Bloc. Droite. Hop, genou. Ouais, écoute. Hop, ta garde. Hop, ouais, genou, allez. Un, deux.
Allez, sors ta hanche, tu fais ça toi. Voilà ce que je fais. Je sors ma hanche. Comment je sors et je monte en point de pied. Donc si tu donnais un coup, comme ça, vous voyez le temps. Et que je joue. Vas-y. Ok. Hop, oui, voilà. Eh, hey, écoute, reste à gare. Écoute. Oui. Allez, Tarzan. Eh, hey, encore. Oui, encore, allez, Tarzan. Eh, hey, encore. Oui. Oui, hey. Eh, hey, encore, c'est bon, Tarzan. Oui, c'est un champion. Oh, oh. Middle, middle. Oui, droite. Low kick. Oui, droite. Oh, reste à gare. Oui, avance. Encore. Respect à toi, frère. Attention, attention. Doucement. Voilà. Colle ta tête, Youssef, c'est bien. Attention, attention, le ring, le ring, le ring, le ring. Allez, guillotine, guillotine, ouais, ouais. Ça, c'est bien, ça. Allez. Reste combien de temps ? Je sais pas. Il va te dire, Karim. Il reste 40 secondes. Allez, allez, souffle. Allez, on va dire que tu gagnes là. Faut... Pousse la tête vers le bas, Youssef, il fallait pousser vers le bas la tête, elle était sous le nombril. Elle était sous le nombril, tu pousses vers le bas. Overhook. Ouais, super. Bon, non, non, tu super. Pour pas qu'il... Mets du poids sur lui, mets du poids sur lui. Allez. 20 secondes, tu gères la distance. 20 secondes. 15 secondes, tu gères la distance. Faut plus qu'il te récupère. Gère la distance. 10 secondes. La tête sous le nombril, elle pousse vers le bas. Tu décales. Ouais, super Youssef. 5 secondes. Magnifique. Super Youssef. Ah, magnifique. Ouais. Ouais, derrière, je mets mon pied, moi. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Tu prends pas vraiment tous les champs devant toi. Ah ouais, mais ouais, je t'arrête. Recule. Juste, tu recules, j'avance. Ouais. T'as vu, je me bien rentrer ton pied à l'intérieur de mon main. Ouais, il casse bien. Et en fait, ta main doit être bloquée là. Et après, le mouvement, le reste, c'est comme si tu mettais une droite, tu mettais un coup de pied. Droite. Droite. Tu peux, ouais. Avance et casse vraiment, rentre ta tête. Rentre ta tête, derrière mon chien. Je suis pas là comme ça. Ça, c'est les débutants qui sortent leur tête, pas ce que c'est le recette. Quand tu boxes comme ça. T'es là, dès que tu mets le coup, boum. Boum. Boum, tu vois, je suis pas là. Ouais, moi je fais ça. C'est pas bon, ouais, c'est très mauvais. Rentre ta tête tout le temps. Hop, hop. C'est comme si tu tranchais du salami. Ouais. Là, ouais, là je le sens bien. Mets ta garde. Hop, relax. C'est un box style. Angle, ouais. Le gauche maintenant. Angle, ouais, avance plus. Angle, ouais, casse vraiment ton poignet. N'hésite pas. Angle, ouais, magnifique. Maintenant, rentrez. Rentrez, rentrez, c'est pareil. Tu vas faire ça et tu vas avancer. Oup. Très bien, lance ça. Hop, ouais, magnifique. Tu as bloqué ta main ici comme si tu dormais sur une pelouse. C'est ça. Mais sauf que tu vas bloquer ici, mets ta main. Regarde la violence. T'es là. Hop. Très violent. Putain. Avec le poids du corps, t'avances bien. Hop. Tu sors. Tu vois comment je rentre bien dans ton cercle. Je suis là. Je rentre, je ressors. Hop. Ouais, magnifique. Vas-y. 1, 2. 1. Et 2. Et celui-là. Ah ouais, merci. La France, ça part. Il est belle. Ah bon, vous goûtez ce qu'il y a. Je vais m'enlever parce que sinon. Je laisse pas saisir les mains. Voilà. Magnifique. C'est bien. Magnifique. Oui. Voilà, il va feinter pour prendre dans les jambes.
Ouais. Pousse. Continue. Voilà, c'est bien Youssef. Maître, est-ce que tu peux nous montrer une soumission que tu as appris à Youssef là, que peut-être il va réutiliser en combat, peut-être me la montrer, tester sur moi? Ben, en soumission, on a travaillé tout ce qui est guillotine, étranglement arrière, des trucs vraiment efficaces quoi. Tu peux nous montrer ça? Étranglement arrière sur toi, ouais, par exemple. Tu veux résister dessus? Comment tu veux faire? Ben, je résiste, mais de toute façon, tu penses que ça va m'endormir ça ou pas? Puis si tu abandonnes pas, oui, ça va t'endormir. Vraiment? Ouais, tu veux vraiment faire le test? T'es prêt à m'endormir là, mais tu sais que moi je me suis jamais fait endormir. Écoute, je vais pas t'endormir, on va faire un exercice, enfin c'est un test, tu vas lever le bras, tu vas essayer de résister au maximum. Vas-y. Et moi je vais t'étrangler, et quand tu vas commencer à partir, ton bras il va se baisser, c'est là que je vais te relâcher. On essaye ça? Ouais, vas-y, j'essaye. Ok, assis-toi, moi je passe mon étranglement ici. Ouais. Celui que... Tu vas lever le bras droit. Tu vas lever le bras droit, ok? Ce que je veux dire, c'est des fois, l'erreur qu'on peut faire, c'est faire ça pour venir verrouiller. Tu vas m'attraper le bras. Donc, je vais passer en premier mon bras là. Je vais fermer mon poing, monter le long de ta colonne vertébrale, récupérer derrière ta nuque et saisir mon biceps. Là, je vais serrer mes coudes, ok? Pousser ta tête en avant et connecter ma tête vers toi. Maintenant, tu résistes, d'accord? Et dès que je vois ta main se baisser, je te lâche. On y va? Allez, c'est parti, résiste. Tu résistes. Ça va, Imad? Ouais. Il y a eu quoi? C'était bizarre, j'ai l'impression que t'as même pas fait. Eh oui. Et ta main elle s'est baissée, je t'ai lâché à la moitié. Elle était là, je t'ai lâché là. C'est une dinguerie. Et t'as tenu 2 secondes. Jure? Ça a duré 2 secondes. Je t'ai lâché parce que sinon, tu serais parti inconscient. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est magnifique. Et ouais. Faut que je le vois en caméra. J'aurais pu aller plus doucement. Tu hein. peux éteindre mon caméraman aussi. À la fin de la vidéo, ah on éteint le caméraman, c'est bon? Tu te sens? Allez! Vas-y, attends, c'est trop incroyable! 5! Allez, c'est parti! Là, tu peux pousser la tête vers le bas. Et avec ton bras gauche, rentre bien le bras gauche, Youssef. C'est bien! C'est bien. Mais par sécurité, j'ai pas attendu que tu aies la main en bas. Dès que ta main, elle a commencé à se baisser, elle est arrivée là, je t'ai lâché là. Mais j'ai même pas senti que ma main, elle s'est baissée, mec. Ouais, parce que je te disais, résiste. C'est pour faire l'exercice, pour voir tes limites, en fait. Okay. Et tu t'aperçois que... Et mes limites, elles, par rapport à la moyenne, elles sont faibles, elles sont hautes. Honnêtement, quand l'étranglement, il passe, que ça verrouille, ça tape de suite. Parce que, en fait, avec l'expérience, on sait que c'est pris, ça sert plus à rien. Quand tu sens que c'est verrouillé, que c'est pris, tu tapes, t'as tenu 2 secondes de plus que quelqu'un qui aurait tapé normalement. Donc c'est pour ça que t'as eu l'espèce de voile. Ouais. Et quand je t'ai relâché, t'as le sang qui est remonté d'un coup au cerveau pour irriguer ton cerveau avec l'oxygène, tout ça. Et c'est là que t'as eu cette sensation comme si tu tombais un peu dans le vide, ouais, ou quoi, j'ai voilà. Oublié, en fait. Ouais. Ah, c'est magnifique. Bien ça. On décale. Attention le mur. Attention le pilier. Ouais. Je vais le sauter. Ouais. Droite. Ouais. Dans le ventre. Ouais. Viens me chercher. Ouais. Voilà. Pousse avec la tête. Ouais. Ouais. Prends la montre. Voilà. Serre les genoux, Youssef. Serre les genoux, il remonte. Voilà, tu montes, serre les genoux. Tu montes et tu serres les genoux. Hop. Vas-y. Hop.
Remonte plus haut, Youssef. Remonte plus haut. Yes, remise. Encore deux. Encore trois. Oh, c'est dévastant. 5. Ouais. 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Chop. Oui. Hop. Encore, accélère. Oui. C'est bien, bravo Youssef. Bravo. Les gars, dites-moi dans la vidéo, ça rend comment là quand je m'endors, enfin quand je suis perdu, parce que moi je suis choqué un peu encore. Donc là, je vais te montrer un truc, c'est quand tu baisses le menton, on va dire que je peux pas passer directement le bras, je vais venir prendre ta mâchoire à l'intérieur, et là je vais vraiment serrer la mâchoire. Ah, prépare-toi à taper, voilà, ça tape direct, parce que tu as plein de petits nerfs ici dans la mâchoire. Et quand je mets mon avant-bras dessus et que je serre, de suite, ça, la douleur, elle est vraiment intense et atroce. Ceux qui disent que Conor McGregor, il a fait le chicken, il a tapé. Je pense que Khabib, il a une force incroyable. Donc quand il vous fait ça, il va vous arracher la tête. Donc il vaut mieux taper. Ton but, c'est de résister et tenir le bras le plus haut possible. Allez, c'est parti. Allez, William. Tu tiens. Garde le bras en l'air. Ça va, frère? Ça va, William? Ça va. Ça va? Ça va? Voilà. Tu te rappelles ou pas? Pourquoi il s'est passé quoi? William, il a vraiment résisté parce que je lui demandais de prendre une respiration avant l'étranglement. Ça lui a permis de tenir plus longtemps. Mais il a gagné quoi? Par rapport à toi, il a gagné 2 secondes. Voilà. Et le pire, c'est que les mouvements, je savais pas si je le faisais ou pas. C'est trop bizarre. En fait. Je sais pas comment l'exprimer. Et pourtant, c'est incroyable. T'es resté conscient, hein, je veux dire. Hein. T'es pas tombé. Les gars, franchement, là, moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un se faire endormir. Genre, William, là, il a réagi. J'ai cru qu'il allait mourir, le gars. J'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, Tarzan, t'as tué ton caméraman. C'est quoi ce délire?